Allez gens, c'est Noctis et on se retrouve bien pour ce nouveau let's play. Et oui, nouveau let's play. Alors on va appuyer sur start avant qu'il nous lance la démo. Nouveau let's play donc sur le petit dernier de chez Square Enix, Nier Automata. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un petit continué qui s'affiche tout simplement parce que j'ai beaucoup de problèmes avec ce jeu. Je galère à... Je vais vérifier la caméra 2 secondes. Je galère à enregistrer, notamment bah, parce que j'ai eu un souci de batterie la fois où ça avait marché, que le fichier devient très lourd très vite, et que du coup, en termes de montage, c'est un petit peu compliqué, j'avoue. Du coup, nouvelle tentative, en espérant que les fichiers seront moins gros, moins lourds. Et en fait, on va pouvoir... faire continuer tout simplement parce que vous voyez qu'il y a une demi-heure de jeu, c'est la demi-heure dont je vous ai parlé. Il faut savoir que au bout d'une demi-heure de jeu, je suis mort comme un caca et qu'en fait, comme je suis mort pendant une face à un certain boss, on s'arrêtera avant le boss. Parce que voilà, je veux être sûr de sauvegarder, de pas avoir à tout recommencer à chaque fois. Enfin, et on fera à chaque fois 2 sauvegardes. Hein, c'est franchement, le jeu là est extrêmement pas compliqué mais extrêmement intéressant, et je pense que c'est vraiment le bon mot à choisir pour définir Nier Automata. C'est qu'il est intéressant, il apporte plein d'aspects de game design et de gameplay différents dans un seul et unique jeu, et pour le coup il le fait de façon très pas sobre mais de manière très fluide. Et en fait, toutes les phases s'enchaînent s'enchaîne efficacement pour que l'immersion soit bonne. Plutôt que des mots, je pense qu'il sera mieux de vous le montrer en action. Donc, voulez-vous vraiment charger sa vue de sauvegarde? Oui. On lance la partie.滅びるように こちらシレーブ、夜部隊応答してください。こちらTB、前期無事に清掃権を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター6層、前期反応を確認しました。現在、対目標50キロ地点を通過、敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。 12H Et voilà, nous avons enfin le contrôle de notre appareil. Nous serons encore dans une petite phase guidée. Du coup voilà, le jeu commence par un petit rail shooter des familles. Ok. Pour l'instant, pas grand chose à dire. Hein. Cette partie-là du jeu, je la connais en mode rail shooter. Pour l'instant, c'est du classique, mais on apprécie. Et là par contre voilà, là on arrive sur un point que je trouve déjà plus intéressant, c'est qu'on passe sur un rail shooter, mais
avec un peu plus de direction, un peu plus moderne. Et le fait que là, notre engin ait la possibilité maintenant d'attaquer au CAC est, ma foi, assez intéressant. Voilà, j'ai une épée si je veux, hein, c'est assez, assez sympa quand il y a trop d'ennemis, bah, tu vas au CAC. Voilà. Et là, encore une fois, nouveau type de gameplay, on se met en vue d'arrière et on va avoir un joli parcours d'obstacles à la façon d'un ben, je sais pas, j'ai pas beaucoup de jeux qui me viennent en tête avec un parcours d'obstacles comme celui-là. Alors forcément, vous vous douterez que au bout de 6 fois, bah, je le connais un peu. Et là, encore une fois, rail shooter, mais encore une fois avec un point de vue différent. Ça me fait penser un peu à la vidéo, enfin, la vidéo du joueur du grenier. Les jeux supercoptères de l'époque où tu voyais ton hélicoptère de côté et t'avais tes ennemis qui apparaissaient devant ou autour de toi et que toi t'avançais en ligne droite. Voilà, c'est le seul lien entre les deux licences. Hein. Je cherchais pas ailleurs, il n'y en a pas d'autre. Et encore, c'est juste parce que c'est moi et mes références à deux balles. Ah! Alors là, j'ai pas pu les esquiver parce que je faisais un changement de vue. Et que lorsque tu changes de vue, tu ne peux pas esquiver. Ah non, toi je t'aime pas. Non, toi t'es casse-couille. Voilà. Donc, est-elle aveugle? On n'en sait rien. Et est-elle... est-elle... Arrêtez de me saouler. Je parle. Et je sais plus du coup ce que je voulais dire. Voilà, merci. Alors, je dis quoi? C'est... Oui, c'est un peu aguicheuse quand même. Eh, on voit la culotte. Je veux pas dire on voit la culotte. C'est n'importe quoi. On voit la culotte de la madame. Bande de pervers. En fait, c'est ça que je voulais dire. C'était que c'était un peu là, une chagasse vu les plans qu'il y a eu. Non, parce qu'on a eu un gros plan sur la culotte. Hein. Regardez. Voilà. On le repasse histoire d'être sûr d'avoir bien vu la culotte. Et hop. Est-ce que j'ai accès? Voilà, là ici j'ai accès au menu système, tout ça, ok. Et j'ai accès à une sauvegarde quelconque? Pas encore, mais j'y aurai accès ici plus tard, normalement. Alors là, voilà, on est passé sur un système de combat un peu plus classico-classique. Système de combat dynamique. Avec des petits finishes. Mais voilà, qui dit un système de combat dynamique dit aussi des boss. Des boss gigantesques, hein, sinon c'est pas drôle.
Donc quand il est à distance, on tire, et quand il est là, on tabasse. Je vois pas où il est. Enfin, moi je vois pas où je suis, moi surtout. On va se mettre un petit coup de soin, juste. Soin léger, voilà. Même un soin moyen et un soin léger, histoire d'être full vie. Hein. Ah, parce que la mort, au moins dans ce chapitre-là, elle est ultra punitive. On a une petite, un espèce de petit ulti du robot qui est un espèce de, enfin, qui est un rayon laser. Voilà. Et on a quasiment fini le boss. ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2Bさんですね。僕は9Sです。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きな鋸が目標の超大型兵器ですか？違う。単なる防衛装置みたい。じゃあ、目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから。 Il a été plus intelligent que nous, il n'a pas cassé le sien, voilà. Alors, est-ce que... Non, pas aller sur les plateformes d'à côté, très bien. Ennemi. Ah. Merde. Je peux voler ? Ah, je peux planer. C'est déjà pas mal. Ça, je ne savais pas que je pouvais planer. Vas-y, verrouille. Alors, le verrouillage va être vraiment très utile pour le coup, parce que sur des ennemis volants, ça va être un poil pertinent quand même. Hein. Pas de trésor, rien que de chinada dans le coin. Salut. Voilà. Alors j'ai découvert au fil des différents essais que en fait ce qui va me sauver c'est à la même manière que d'un Dark Soul, ça va être le bouton d'esquive. Le bouton d'esquive, c'est la vie. Et aussi tirer au loin. C'est bien aussi de tirer au loin. Et on voit aussi que je peux combiner les deux, bien évidemment, entre le shooting et les attaques au cac. On ramasse un peu tout ce qu'on a sous la main. On ne sait pas, je ne sais pas du tout par contre à quoi pourront servir les différents trucs que je ramasse. Donc, on verra bien. Je vais essayer de collecter un maximum de trucs. Et du coup, le monsieur, il nous a envoyé une map. Et ça, c'est Forge Empathique. Quand j'en dis Force Empathique, je savais pas trop quoi choisir entre les deux. Oh, la lumière, c'est lui. Enfin, c'est mon stick analogique, quoi. Allez. Hop, hop, hop. Loin, petite salto qui va bien. Meurs, mécréant. Meurs, mécréant. Deuxième édition. Hop, hop, hop. Alors, moi, première chose que je fais, c'est que je vais voir ce qu'il y a là-bas. Voilà. Ici, nous avons donc le petit coffre qui va nous donner un soin léger. On apprécie. Le soin, je pense que ça va être genre la clé du jeu. Avec l'esquive. Hop, hop. Là-bas, il y a un truc à ramasser. Bon, lui, il est un peu con.
coup, nous devons entrer ici. Très bien. Bonjour! Y a-t-il quelqu'un? Alors, il a l'air d'avoir quand même parfois besoin de se recharger, le monsieur. Hein. Je sais pas, c'est une impression que j'ai. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Hein. Alors, eux, ils sont en hauteur. La précision que j'ai avec le CAC en saut, bah, c'est pas super intéressant. On va favoriser. Oh, bah, 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 bah. C'est le bordel! Trop de machin, aïe! J'ai une très mauvaise appréciation des distances. Des fois, j'ai l'impression qu'elle va me passer devant ou derrière. Alors qu'en fait, hop, pas du tout! Donc, c'est bon, genre, je prends des dégâts gratuitement pour rien. On en est où là? D'abord, on a fini, on peut passer à la suite. On va ramasser un peu de tout ce qui traînouille. Des clés, des boulons, on sait jamais, ça peut toujours faire des ressources à vendre pour avoir plus d'argent. Parce que la monnaie, c'est la vie. Bon, déjà, alors oui, ça j'en ai pas parlé, mais les seules choses qu'on sait sur nos héros, c'est que ça s'appelle à la manière d'une variable hexadécimale, hein, je veux pas dire, mais. Oh, parce qu'à part un nombre et une lettre, c'est pas très personnalisé comme nom. Hein. C'est un peu triste, je trouve, quand même, d'être appelé juste par chiffres et lettres. Je sais pas par où je dois aller. Oui, parce que j'ai fait plusieurs fois le jeu, enfin, cette partie-là, je l'ai déjà faite, mais pas pour autant que je la connais par cœur. Mais va là-bas, toi. Je sais juste que ça, là, la plateforme où je suis actuellement, est reliée avec le petit gem qu'on avait en bas. Donc c'est pour ça que je vais pas m'amuser à faire des allers-retours. Bonjour. Va mourir. Bonjour. Va mourir. Voilà. Alors oui, je vais essayer de tuer un maximum de mobs pour avoir plus de niveaux. Plus de niveaux égale plus de vie et plus de stats. Et là, le monsieur, il a dit quelque chose d'intéressant, je trouve. Il a parlé des humains, mais eux aussi sont des humanoïdes. Alors, ça voudrait dire que ce sont des machines. Si on suit la logique, c'est que 2B et 9S, 9S, sont des androïdes. Des cyborgs. Alors après, la question c'est, est-ce que ce sont des cyborgs façon Dragon Ball Z, genre base humaine, puis après on rajoute des trucs, histoire que ça soit pimp? Ou est-ce que... ou est-ce qu'ils ont été créés de toutes pièces? Là sont les vraies questions. Ils ont l'air d'avoir des sentiments, donc je suis plutôt partisan de l'idée de ancien humain transformé. Je pense que je vais vous laisser un petit sondage en haut. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'était des humains transformés en robots ou étaient-ils des robots du début à la fin? Normalement, je devrais avoir pensé à avoir fait une fiche à ce moment de la vidéo. Si je suis pas
Trop con. C'est pas gagné, donc. Vous aurez compris. Hop. Sans ça, ce jeu est absolument magnifique. Et encore une fois, là, je l'ai pas relevé, hein, mais... Du coup, je disais donc, avant de me faire couper violemment, que je l'avais pas relevé, mais là, nous avons un nouveau type de gameplay, ou de vision de caméra, qui est tout aussi intéressante que le reste, hein, que les autres. C'est une méthode en mode beat them all, mais cette fois pas la vision dynamique TPS comme on avait pu avoir avant, mais plutôt une vision rétro avec vue du dessus. Si je dis pas de bêtises, c'était Afro Samurai qui utilisait ça aussi. Il me semble que certains passages d'Afro Samurai étaient sous ces vues-là. Je ne suis pas sûr de moi, encore une fois, si je me suis trompé, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Du soin léger, on en prend masse. Je vous l'ai dit, c'est punitif, enfin c'est punitif plutôt, au possible. Et là, c'est très la concentration parce que j'ai pas envie de prendre trop de coups. Voilà, on en a fini, c'est bon. J'ai combien de vie? Alors, on va passer un certain temps dans les menus, je pense. Non, on va dire que ça va. J'ai pas vu les chiffres. J'ai 1000 points de vie, en gros. Faut que je garde en mémoire ce 1000 de points de vie parce que, putain, que ça part vite. Ça part trop vite pour le coup. Sur un boss, j'ai bien galéré. Enfin, je vais même échouer, hein, on va dire tel que c'est. Laissez-moi passer! Voilà, merci pour tout, je me casse. Huile machine, très bien. Et là, on va repasser sur une vue plus classique. Tac, tac, là il y a l'ascenseur qu'on pouvait pas prendre en bas. Du coup, plus qu'un chemin qui reste. Pas très français comme phrase. Ici, qu'est-ce que nous avons donc? Ah oui, des ennemis renforcés, très bien. On apprécie. Les ennemis renforcés, tu peux pas leur tirer dessus. Voilà, pareil, ici, rebelote, faut taper au cac. Oh! Mais non, j'ai été esquivé. Meurs. Voilà, merci. Voilà. Ah, il en est pas mort, le salaud. Là, il est mort. Ah, on repasse sur de la vision du dessus. On apprécie. Ah, ou pas. Alors là, on est en mode je suis un lâche, vous êtes en ligne, faites pas chier. Si je fais ça, il se passe quoi? Ah bah ils sont morts! Chouette! Parce que des fois ça marche cette technique et des fois ça marche pas. Hii.
Vas-y, meurs. Oh, c'était joli. Et le feu vient de passer au vert. On va pouvoir, même s'il est bleu, on s'en bat les couilles. N'empêche qu'on peut avancer. もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは。ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。 Alors, vous l'aurez remarqué, là, il y a un silence de mort. Là-bas, une grande arène qui pourrait nous attendre. Vous l'aurez compris, le combat de boss, c'est maintenant. Alors, du coup, est-ce que j'ai moyen de sauvegarder comme je veux? Non! Ah, on apprécie. Tous les objets de soins, on va se faire un coup de soins moyens, histoire d'être quasi à fond. Et du coup, ben, je pensais vous laisser ici, mais vu que je ne peux pas sauvegarder, eh bien, je suis niqué. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Du coup, je veux sauvegarder, donc on va se faire le boss ensemble. Et on va bien voir ce que ça donne. Voilà, vous l'aurez compris, je vais pas kiffer. Non. Commence pas à faire chier. On se casse. Il est où l'autre? Ah! Je veux pas mourir! Non. Voilà, tu passes derrière. Tranquille. Ok. Non. Attention, esquive. On enchaîne, on martèle. Rien à foutre. Vite, ils sont au repos. Ah, je suis raté. Tiens, attaque ultime dans ta gueule. Non. Voilà. Là t'esquive. Voilà, on passe derrière. Tranquille. Boum, attaque ultime. Allez, au tempo. Oh putain de merde. Non, et non. Va mourir. Ah bah d'accord, ça c'était le truc qui servait à rien. Oh putain. Oui, allô. Ok, j'aime pas l'idée, mais pas du tout! Putain, il me fait perdre un quart de ma vie!
on est mid-life, on est mid-life, on est mid-life, on se calme. J'aime pas ça du tout, j'aime pas ça du tout en fait. Non, non, ta mère là. Ta mère. Ah, genre il m'a touché. Non. Oh putain. On est mid-life, on est mid-life. Faut faire super gaffe à sa vie, c'est horrible. Position esquivée, merci. Il est très intelligent. Tu vas au fond. Et tu cliques pour qu'il te touche pas. À un moment, je vais arriver au fond de la plateforme, je vais pas comprendre ma vie. Putain, on lui a fait perdre à peine un quart de sa vie, c'est horrible! C'est pas bon pour mon cœur, moi, de me faire subir tout ça, hein. Je suis un papy, je vous rappelle. J'ai droit à sauvegarder maintenant, s'il vous plaît. Non. Bon. Je sais pas trop comment... quoi faire. On va monter par là. Mon épisode, il va durer 2 plombs, mais il va faire 2 terras. Ça va être sympa. Il va se rallumer. Oh putain. Non, on peut pas passer par derrière, très bien. Très bien. Meurs, voilà, me saoule pas. J'ai le droit de te buter, toi? Genre, te faire tomber la tête? Non, on peut pas te faire tomber la tête. Oh, c'est nul. Tu fais tomber la tête, ça marchait très bien. Dégage! Non mais oh! Qu'est-ce que c'est? Clé cassée. Oh, allez, monte! Comme, monte! Hop là! Et les sprints, c'est la vie! Allez, ouf! Bon bah j'ai envie de dire, on a notre réponse, hein. Il a l'air assez, assez robotique à 100% le monsieur! Ou alors sa jambe et son bras sont été les parties qui se sont fait robotiser. Au choix. Tant qu'il n'y a pas de confirmation dans le jeu, moi j'attends de voir ce qu'il y en est pour
En tout cas pour Toubi. Si 9S, elle, on est un. うるさい。いいから出して。トゥービー。言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦い誇りを。 Alors, on est parti pour la fin du combat. Alors, je suis un peu désolé parce que genre, lors de la cinématique, il y a eu une petite chute de FPS. Et moi aussi, elle m'ennuie un peu cette chute de FPS, mais je peux pas y faire grand chose. Mon PC a une carte graphique peut-être pas assez puissante pour le jeu, pour qu'il soit tout le temps à fond, quoi. のために発見します。今から援護のためにハッキングします。次、敵機体の上腕部のコントロールのポットを使う。制御を取れるはず。いいから黙って。 Je suis beaucoup trop concentré. すごく強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな。 なかなかうまくはいかないみたいですね。
準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。潜水を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。Et du coup, on se retrouve dans les... Ah, sauvegarde possible! Ah ah! C'est la première chose qu'on va faire. Sauvegarder. J'ai dit oui. Sauvegarde. Ce que c'était laborieux! Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut en amanimiser. Voilà, tout à fait. Emmagasiné sur cet épisode qui va bientôt faire 45 minutes. Voilà, on a bien vu qu'il y avait bien... j'arrive plus à parler, cet épisode m'aura épuisé, stressé, beaucoup trop concentré. Du coup, j'ai plus de jus. Voilà. On aura vu qu'il y aura plein de mécaniques de jeu, que les relations entre les différents membres a l'air quand même assez soudées. Je demande bien pourquoi est-ce que c'est suite à de la lobotomisation, genre en mode régime communiste, on est tous des pères, tout ça. Je sais pas. En attendant, je vous laisse débattre dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous pensez que sera soit le scénario, soit comment marchent les brigades avec 2B et 9S. Voir un petit peu ce que vous en pensez. Je commence à avoir ma petite idée sur la question. À voir si vous avez la même, et peut-être que vous apporterez plus d'éléments de réflexion, peut-être certainement plus pertinent que ce que j'ai dans ma tête à moi. Voilà. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre un gros pouce bleu, et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Sur ce, moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Bye les gens!